Alors vous inspirez, vous expirez. Une fois, deux fois, trois fois. Et vous essayez de laisser rentrer la détente dans le corps, de la tête aux pieds, des pieds jusqu'à la tête, tranquillement. Cette séance d'hypnose est parfaite pour vous aider à retrouver le calme, la paix, la sérénité et développer tous les apprentissages nécessaires qui sont l'épanouissement, l'accomplissement et l'équilibre. Y est associé le protocole de nettoyage des peurs pour que vous puissiez avancer tranquillement dans la paix, dans la sérénité, dans la quiétude et traverser les événements de la vie avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de certitude, de meilleures convictions, un regard différent sur soi, sur les situations, avoir un sentiment de fierté, d'auto-sécurité, vous sentir plus forte, plus confiante, plus sûre de vous, un regard sur soi différent, avec plus d'assurance, beaucoup plus présent, présente, où vous vous voyez différente, avec une image beaucoup plus rassurante. C'est alors que vous êtes dans un état de détente progressivement, sans que vous n'ayez rien à faire, juste à vous laisser faire et vous laisser bercer au son de ma voix. Vous pouvez même entendre ce que je ne dis pas. Même les bruits extérieurs vont venir se mêler au son de ma voix et créer une mélodie douce et agréable qui va vous bercer dans un sommeil éveillé, où vous allez vous glisser, comme si vous glissiez dans un bain chaud, à la température que vous préférez, parfait pour la détente, la relaxation, le bien-être, et vous appréciez de plus en plus de vous laisser porter, de vous laisser flotter tranquillement dans ce bain chaud avec des senteurs, voire même agréables ou pas. Peut-être même une petite musique de fond. Choisissez cette musique, celle qui vous plaît ou pas, si vous préférez le silence. Imaginez l'ambiance de cet instant qui vous est offert. Ce cadeau que vous apporte cette détente pour que le relâchement puisse gagner chacune des parties de votre corps, de la tête aux pieds, des pieds jusqu'à la tête, et tous les muscles du corps, tous les longs muscles, tous les petits muscles, tous les tendons se détendent, se relâchent, se décrispent, se dénoue pour laisser de la place à de la paix, à de la paisibilité, à de la détente, à du relâchement dans les épaules, peut-être dans les bras, peut-être dans les mains, peut-être dans les genoux, peut-être dans les deux pieds, peut-être dans le ventre, peut-être dans le dos. Peut-être même au niveau du plexus solaire, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque la détente s'installera, s'instaurera progressivement dans le corps, sur la partie qu'elle souhaite, sans même que vous en rendez compte.
pendant que votre esprit lui est à la fois présent et à la fois absent, avec des idées qui s'accrochent, qui se décrochent, des pensées absentes et des pensées présentes. Progressivement, les pensées se font de plus en plus absentes pour laisser de la place à de la disponibilité, à de la liberté, de la paisibilité. Vous êtes confortablement installé sur ce fauteuil, sur ce canapé, et vous vous laissez aller à la détente. Vous avez les yeux fermés et vous vous centrez sur vous-même. Vous prenez conscience que chaque partie de votre corps se détend. À chaque fois, vous prenez une inspiration, une expiration. Vous sentez même l'air de vos poumons qui se remplissent. Et vous ressentez encore un peu plus et davantage de la détente qui s'installe dans chaque partie du corps. Vous inspirez cet air à la température que vous aimez. Et ça tourbillonne, cet air au niveau de la gorge, et descend dans les épaules et l'épaule droite et l'épaule gauche. Et ce tourbillon d'air de détente continue sa descente dans le bras droit, le bras gauche, l'avant-bras droit et gauche, jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des ongles. Tout est relâché, tout est détendu. Vous pouvez enfin vous laisser bercer en toute sécurité par ma voix, par cette musique douce que vous avez peut-être mis dans cette salle de bain, dans cet endroit où vous êtes, dans ce bain chaud. C'est agréable de ressentir les battements de votre cœur et vous concentrer sur ces sons, peut-être même des sons nouveaux, peut-être votre jardin intérieur, dans lequel vous partez à sa découverte, parce qu'il a tellement de choses à vous montrer, à vous faire sentir, à vous faire ressentir, voire même à découvrir. Pendant ce temps, la détente continue de s'installer comme ce tourbillon d'air, de cette respiration pleine, saine, sereine, complète et intégrale, qui descend dans la poitrine. Et comme un petit tourbillon d'air dans le sens de l'aiguille d'une montre tourbillonne à droite et à gauche, c'est agréable. Et ça descend au niveau du plexus solaire et ça reste quelques secondes pour laisser ouvrir cet endroit et laisser rentrer à cet endroit un petit ballon d'air qui se gonfle d'air pour laisser de la place aux poumons pour pouvoir mieux respirer. Une respiration pleine, entière, complète, pour laisser rentrer encore plus de la détente qui va s'installer maintenant, progressivement, dans le ventre et le bas-ventre. Et cet air continue de tourbillonner dans le sens de l'aiguille d'une montre, de gauche à droite, de gauche à droite, sur la partie droite, sur la partie gauche, sur la partie centre, et balaye les émotions, balaye les sensations, masse les émotions, c'est tranquille, ça apaise, ça détend, jusque dans le bassin. Tout est parfait. Vous êtes centré sur vous, vous avez la possibilité de commencer à explorer tout votre être et sentir comme le corps s'alourdit pour entrer dans une détente encore plus profonde, encore plus lourde, comme le sommeil lourd, comme les paupières sont lourdes. Et au plus les paupières sont lourdes, au plus le sommeil devient profond et lourd et vous enfoncez dans le canapé et dans le fauteuil. Pour vous plonger dans ce sommeil, mais un sommeil qui éveille.
cet état entre deux où l'homme le reste éveillé, conscient de tous les changements qui se produisent. Le tourbillon du changement, de la détente continue de s'installer dans la jambe droite, dans la jambe gauche, comme deux petits tourbillons qui englobent, qui entourent les deux jambes, les deux cuisses, la cuisse droite, la cuisse gauche, à l'extérieur, à l'intérieur, tous les muscles, tous les grands muscles, tous les petits muscles des jambes, des deux jambes, de la jambe droite, de la jambe gauche, se détendent, se dénouent, se décrisent, deviennent, elles, beaucoup plus légères. Et ce souffle d'air, ce tourbillon d'air continue la descente, comme votre sommeil continue sa descente en plus de profondeur, comme le soleil prend de la profondeur, cette lourdeur du soleil, de ce sommeil. Et ce tourbillon dans la jambe droite, dans la jambe gauche, ce souffle d'air continue de descendre dans le genou droit, dans le genou gauche, derrière le genou, autour des cartilages. C'est agréable, n'est-ce pas? Cette détente continue et se prolonge dans le mollet haut et dans le mollet droit, dans le mollet haut et dans le mollet bas, du mollet droit, du mollet gauche, du mollet haut, du mollet bas. À droite, à gauche, tout se détend, tout se dénoue, tout se relâche, c'est agréable. Cette sensation particulière de détente profonde est tellement rapide qu'est l'hypnose et la transe hypnotique de ce changement, de cette transformation, de cette détente de bien-être, cette détente de calme. Ce calme de cette paix si paisible. Et pendant que la détente continue de s'installer dans la cheville droite, dans la cheville gauche, autour des malléoles, au niveau du tendon d'Achille, autour de la cheville droite, de la cheville gauche, du talon droit, du talon gauche, de la voûte plantaire à droite et à gauche, au-dessus des pieds, du pied droit, du pied gauche, jusqu'au bout des orteils, des doigts de pied, chaque doigt de pied, jusqu'à 5, 2, 3, 4, 5, du pied droit et du pied gauche, 1, 2, 5, se détendre, se dénoue, se relâche, s'allège, tout devient léger, comme votre état d'esprit, comme votre esprit est complètement léger et le corps est léger et lourd à la fois, en haut, en bas, droite, à gauche, de la tête aux pieds, des pieds jusqu'à la et tout en bas des pieds, lorsque le tourbillon d'air est arrivé juste à la pointe des pieds, du pied droit et du pied gauche, alors quelque chose d'extraordinaire, imaginez-le, comme deux petites trappes au bout des pieds s'ouvraient. C'est assez rigolo, on se croirait dans un dessin animé, dans un conte, dans une fiction. La trappe s'ouvre et toutes les impuretés partent, tout est chassé, tout est envolé comme de la poussière, comme un sac de poussière. Tout est évacué et ces deux petites trappes se referment pour laisser rentrer en soi. Pour les laisser rentrer en vous, un sentiment de tranquillité, un sentiment de paix, et développer enfin ces ressources innées, ces ressources d'antan, ces ressources d'enfant. Peut-être que vous ignorez, pourtant ces ressources sont bien présentes. Des ressources de fierté, des ressources de sécurité, des ressources de joliesse, des ressources de protection. Des ressources de force, de confiance et d'assurance. Des ressources de séduction, des ressources de certitude. Des ressources de regard sur soi, positif, constructif, instinctif, naturel. Des ressources du présent, de vivre dans l'instant présent. Des ressources, on vous voit grand, on vous voit grand.
une image fière et rassurante, un regard fier. Et c'est alors que vous êtes enveloppé de cette douceur et de réconfort que vous pouvez dès à présent continuer de vous plonger dans un sommeil réconfortant, mais un sommeil qui réveille. Et sentir comme même vos pieds avec allégresse, allègent de légèreté, de la tête aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Vous pouvez même ressentir une sensation particulière dans le corps. Peut-être même ressentir un fourmillement dans la main qui annonce que le travail a peut-être commencé. A-t-il commencé d'ailleurs? Demandez à votre inconscient. Le corps tout entier relâché, vous laissez aller complètement. Peut-être avez-vous conscience des changements qui s'opèrent en vous et les ressentir peut-être déjà, n'est-ce pas? Pendant que votre conscience repose, votre inconscient débute son travail. Et vous êtes bercé par le son de ma voix. Et vous pouvez même choisir les mots qui vous plaisent et ceux qui vous déplaisent. Vous pouvez même aller encore un peu plus loin et créer vos propres mots, inventer de nouvelles phrases, celles qui vous ressemblent, et des mots ou des mots que vous aimeriez entendre. Vous êtes en pleine conscience. Que tous les espoirs et les rêves et cette envie qui vous permettent de vous métamorphoser quand vous serez prêt, prête, quand le moment sera venu. Tous les choix, tous vos choix, toutes les solutions essentielles pour la réalisation et votre épanouissement, pour que le bonheur et les sensations agréables et sereines s'installent en vous pour votre équilibre et pour embellir le chemin de votre vie. Vous découvrez votre guide intérieur maintenant si paisible et une vie avec tellement plus de facilité et de simplicité, en toute sécurité, en toute sincérité, toute la puissance et l'éveil merveilleux et bénéfique pour que les changements se réalisent à votre souhait. Alors ce besoin, ce qui se passe en vous, certifie en accord avec le conscient le chemin essentiel dont vous avez besoin pour atteindre votre propre objectif. Ainsi, cet élan, cette motivation amplifie, améliore avec plaisir et au fur et à mesure tous les changements nécessaires grâce aux ressources et à l'accomplissement puissant et épanouissant pour vous maintenir dans un nouvel équilibre qui vous sont nécessaires à votre bien-être. C'est alors qu'une partie magique émerge de vous et éveille judicieusement, avec bonheur, joie et sérénité, toutes les transformations que vous avez choisies pour votre accomplissement, et cet optimisme et cette envie se concrétisent, se confortent superbement bien en vous. Et tous ces apprentissages, tous les apprentissages, toutes les compétences, toutes ces ressources et le changement qui s'associe à votre transformation amplifie, intègre, bonifie les connaissances afin d'aller vers vos buts et accomplir merveilleusement bien tout ce que vous avez besoin pour votre mieux-être sur le chemin de votre réussite et propice à votre équilibre. De nouvelles façons, de nouvelles manières de construire vont pouvoir être augmentées et votre capacité à vous aimer va se manifester pendant que votre conscience unifie et innove et prend le temps de déclencher, de dessiner, de respecter tout cet équilibre qui vous convient de façon optimiste, positive, pour le meilleur que vous attendez, que vous souhaitez. Pour votre idéal de vie, ce que vous apporte avec plaisir toutes les ressources bénéfiques pour vous satisfaire, et ce afin d'atteindre les étapes suivantes, une étape qui est importante, une étape indispensable pour votre évolution, nettoyer les peurs.
C'est alors que je vais demander à votre inconscient maintenant de mettre en place des protocoles et des processus particuliers, exceptionnellement particuliers, des procédés bien adaptés, des processus appropriés pour vous permettre d'être complètement détaché de cette émotion de peur. Juste être détaché, prendre de la hauteur, sans être indifférent. Juste vous prenez de la hauteur et vous vous détachez de cette émotion de peur. Vous laissez votre inconscient maintenant de mettre en place ces protocoles, toutes les procédures nécessaires, tous ces processus qui sont adaptés, qui sont appropriés, avec des attitudes, avec des aptitudes. Et toutes vos capacités, toutes vos possibilités, toutes vos ressources, toutes vos facilités vont vous permettre maintenant de vous détacher complètement de cette émotion de peur, vous détacher, vous séparer, prendre de la hauteur, prendre du recul, prendre de la distance, parce que lorsque vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance, tout ce qui est en haut, en bas, vous paraît beaucoup plus ridicule, beaucoup plus insignifiant, n'est-ce pas? Tout simplement parce que vous avez pris de la hauteur comme un spectateur. Alors, vous allez vous imaginer maintenant dans un endroit qui vous plaît, un lieu ressource pour vous. Je vous demande à vous et votre inconscient d'aller vous placer maintenant dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être ici, ça peut être ailleurs, ça peut être chez vous. Essayez d'aller vous reconnecter maintenant dans un lieu ressource où vous êtes bien. Ça peut être à l'intérieur, à l'extérieur. Ça peut être un jour d'été, un jour d'hiver, dans cette région ou ailleurs. Peu importe. Souvenez-vous maintenant de l'endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, un endroit simple, un endroit serein, un endroit où vous êtes parfaitement bien. Vous pouvez même ressentir, voir, imaginer cet endroit à la perfection, comme si je vous demandais de le scanner, vous pourriez me décrire exactement à quoi ressemble cet endroit. À quoi ça vous inspire, ce que vous ressentez, les odeurs qui sont diffusées, les émotions que cela vous procure. Allez dans cet endroit ressource. Restez-y quelques instants et appréciez cet endroit ressource. Vous êtes bien, vous êtes en sécurité. Cet endroit comme vous le ressentez, un endroit qui vous plaît particulièrement bien. Parce que dans cet endroit, vous avez décidé de faire entrer des personnes. Et comme vous êtes bien, vous êtes détendu, vous êtes bien dans vos bottes, vous êtes confiant, sûr et rassuré, et que votre communication est fluide et posée, ça va être tellement facile pour vous de pouvoir entamer ce sujet très simple, très rapide finalement. Il y a des personnes que vous avez convoquées, des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps même, des personnes d'enfants, des personnes d'antan, voire même des personnes de maintenant. Il y a peut-être des personnes proches, des personnes lointaines, des personnes qui ont participé à votre éducation, à votre construction. Et toutes ces personnes, vous allez faire défiler devant vous. C'est un peu particulier comme sensation, comme sentiment. Et vous, vous êtes complètement détaché, comme s'il y avait en face de vous un filtre naturel. Et ces personnes, vous allez les faire entrer, les faire venir. Ils vont passer devant vous. Il y a peut-être votre père, il y a peut-être votre mère, des frères et des sœurs, des parents, des grands-parents, des proches, des ex-compagnes, des ex-compagnons, des gens qui ont participé même à votre éducation, des amis, des anciens amis, des personnes de votre travail, peu importe, des gens qui ont participé à votre construction, des gens qui ont traversé votre vie, des personnes qui sont encore dans votre vie même pour certains, pour certaines. Et toutes ces personnes, vous les faites venir devant vous, et avec un grand sourire, vous allez naturellement, avec facilité, leur demander quelque chose d'assez particulier, quelque chose que vous aimeriez, que vous allez pouvoir faire maintenant. Vous allez demander quelque chose de très important pour vous, mais tellement simple.
Ils vont juste avoir à faire juste une seule chose, c'est de vous écouter, de vous entendre. Et vous allez pouvoir leur dire qu'il n'y a pas besoin de parler, pas besoin de justifier, pas besoin d'expliquer. Vous leur demandez juste, juste de vous écouter, juste de vous entendre. Et prendre ce qui leur appartient dans leur histoire. Laissez le reste. Et vous allez pouvoir leur dire tout ce que vous avez à dire concernant toutes vos peurs, toutes vos terreurs. Vous allez leur parler de vos inquiétudes, parlez-leur de vos incertitudes, parlez-leur de vos appréhensions, de toutes ces questions qui sont restées sans réponse. Et vous allez leur dire, vous leur dites tout, exprimez. Dites-le avec vos phrases, avec vos mots, la manière dont vous avez envie. Dites-le avec votre cœur. Dites-le avec toute votre intention. Dites-leur avec tout votre courage, toute cette force, cette audace. Vous leur dites avec toute cette intention. Vous leur balancez, vous leur dites jusqu'au bout. Vous dites, vous extirpez, vous exprimez tout, tout concernant vos terreurs, toute votre peur. Toutes vos paniques, toutes vos inquiétudes, vous leur dites tout. Vous leur dites la manière dont vous avez envie de dire avec vos mots, avec votre corps, avec vos tripes, avec votre intention. Vous dites ce que vous avez à dire. Vous dites, vous balancez, vous exprimez tout. Peu importe la manière dont vous le faites. Parce que vous vous êtes fait ce cadeau d'être libre, de vous exprimer comme bon vous semble. Et eux, ils sont juste là. Juste, ils sont en train de vous écouter, d'entendre ce que vous avez à dire. Et vous allez leur dire tout ce que vous avez exprimé concernant votre peur et vos terreurs, tout ce qui vous a peuré, tout ce qui vous a terrifié, tout ce qui vous a paniqué. Dites jusqu'au dernier mot. Parce qu'à une autre partie de vous, à un moment donné, il va se passer quelque chose d'assez magique, miraculeux, comme le magicien, la magicienne de votre vie. Vous allez prendre comme une baguette magique et instantanément, à chacun d'entre eux, vous allez pouvoir leur exprimer de façon instantanée, comme une magicienne, un magicien, à chacun, chacune d'entre eux. Tout ce que vous aviez dû, tout ce que vous auriez dû lui dire, à exprimer, à extirper, concernant vos peurs, concernant vos terreurs, tout ce qui vous a peuré, tout ce qui vous a paniqué, tout ce qui vous a terrifié, toutes vos paniques, vos inquiétudes, vos incertitudes, vous exprimez un à un avec cette baguette magique à chacun, chacune d'entre eux. Ce qu'il fallait leur dire. Et comme cette baguette magique fait les choses de façon immédiate et instantanée, c'est beaucoup plus facile. Elle fait le travail à votre place. Et pendant que cette baguette magique le fait à votre place, il y a une autre partie de vous qui continue d'exprimer jusqu'au dernier mot, qui continue à dire, à balancer naturellement, avec certitude. Et à un moment donné, il y a une partie de votre cerveau qui va maintenant débrancher, vous savez, comme un fusible. Vous allez débrancher maintenant ces fusibles. Vous allez débrancher certaines connexions de certains de vos neurones, comme si vous faisiez un reset. Et vous allez les rebrancher maintenant, un deuxième reset, beaucoup plus tranquillisé. Beaucoup plus apaisée, beaucoup plus apaisante. Allez-y, débranchez, faites un reset de certaines connexions de vos neurones. S'il y a peut-être encore des traces, s'il y a encore des petites traces de croyances, des croyances d'avant, des croyances d'enfant, peut-être même des souffrances d'enfance, des souffrances d'absence, des souffrances d'incompréhension. Débranchez ces connexions comme si vous faisiez un reset de toutes ces neurones et vous allez les rebrancher maintenant à votre manière.
beaucoup plus apaisante, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus rassurante, beaucoup plus rassurée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus enjouée, tellement beaucoup plus gaie, tellement plus libre, libre et enfin libérée pour aller vers votre chemin de vie glorieux, glorieuse, victorieux, victorieuse. Quand vous avez fini de débrancher, de rebrancher, vous reprenez votre baguette magique et vous avez fini de dire tout ce que vous avez à dire et de balancer tout ce que vous avez à balancer. Vous laissez toute cette personne à cet endroit et vous partez. Tout est parfait. Vous vous sentez bien. Vous savez qu'au fond de vous, tout est maintenant derrière vous. Et vous ressentez cette sensation d'être libre, libéré de tout ce poids qui vous pesait, de tout ce fardeau que vous portiez. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Venez de vivre une expérience incroyable que vous garderez à vie dans votre inconscient. Parce qu'à partir de maintenant, vous aurez cette faculté de pouvoir vous exprimer librement, naturellement, par une communication beaucoup plus apaisée, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus fluide. Et vous aurez un regard sur vous complètement différent. Vous serez beaucoup plus sûr de vous. Vous aurez beaucoup plus confiance en vous. Vous aurez une belle image de vous, beaucoup plus forte, beaucoup plus irrésistible, avec une belle posture, parce que vous êtes une belle personne. Vous avez pris confiance en vous, vous êtes plus sûr de vous. On vous regarde, on vous scrute, on vous voit, on vous admire. Alors, imaginez cet instant, quelques instants, vous regardez dans un miroir. Ici, quelque temps, vous avez changé, vous êtes métamorphosé. Vous êtes celle que vous avez finalement toujours été. Vous savez, ce corail au fond des abysses, quand il est parfois pollué par des couches d'algues et de détritus, un corail restera toujours un corail. Il suffit juste de retirer ce qu'il y a au-dessus, qu'il a pollué à un moment donné, pour lui rendre toute sa liberté, son oxygène, sa couleur, la liberté de pouvoir se mouvoir et de reprendre tout son éclat et l'admiration. Vous avez compris que ce corail, en fait, finalement, c'était vous. Vous l'avez juste oublié quelques instants. L'hypnose vous fait redécouvrir ce que vous êtes vraiment. Une personne précieuse, une personne merveilleuse, une personne formidable et aimable. Cette séance d'hypnose est terminée et progressivement, vous allez revenir ici sur le canapé, sur le fauteuil. Votre corps va devenir un peu plus léger. Vous allez reprendre connexion avec les pieds, avec les jambes, avec le ventre, les épaules, les bras, les avant-bras, justement. La respiration va reprendre sa connexion, va reprendre son rythme. Vous allez inspirer, expirer. À trois, vous ouvrirez les yeux. Vous reviendrez ici et maintenant. Et vous continuerez de profiter des bénéfices de cette séance d'hypnose aujourd'hui et dans les jours à venir. Et à trois, vous ouvrirez les yeux et vous continuerez de passer une excellente fin de journée chargée d'un esprit optimiste. À 1, le pied droit, le pied gauche, la jambe droite, la jambe gauche se reconnectent. À 2, la respiration, les épaules, les bras, les avant-bras se reconnectent également au coussin, au canapé, au fauteuil. Tout est parfait, les mains bougent.
Parfait. Et à trois, vous ouvrez les yeux, vous prenez une grande inspiration. Expiration, vous continuez d'ancrer les bénéfices de cette séance d'hypnose et à votre rythme. Vous revenez ici et maintenant, tout est parfait. Tout est OK. Très belle séance. À bientôt.